pour les froids extrêmes. Procuré, moi, ils appellent ça, c'est la compagnie Warbonnet qui vend ça. Ils appellent ça un travel sock, un bas de voyage. Je peux pas faire la traduction, ça se traduit pas. C'est comme une tente qu'on enfile dans le hamac. C'est bon pour les froids extrêmes, comme je vous disais. C'est capable de garder, d'économiser une température d'à peu près 10 à 15 degrés Celsius. Donc le produit, la toile respire assez bien. Par contre, si vous fermez au complet la toile, il fait très froid. Il y a de la condensation qui se forme à l'intérieur. Et suite à ça, ben là, il y a de l'eau qui se ramasse sur votre top quilt. Je vais vous montrer bientôt comment remédier au problème quand on ferme le zipper au complet et qu'on économise beaucoup de chaleur. Par contre, ça fait beaucoup de condensation. Mon ami Shug a inventé, je pense que c'est Shug qui a inventé ce système-là. C'est un système de bavette qu'on met sur nous et qui récolte la condensation qu'on produit par notre respiration durant la nuit. Donc, c'est la bavette de condensation que j'appelle. Je crois que c'est mon ami Shug qui a inventé ça il y a à peu près 4-5 et même plus de nombre d'années. Donc, cette bavette-là sert à récupérer la condensation faite par la respiration durant la nuit, surtout quand on ferme les deux fermetures éclair. Je vous déconseille fortement de les fermer les deux. C'est sûr qu'il va faire plus chaud. Vous allez récupérer plus d'air, plus de chaleur à l'intérieur. Ça devient comme une tente. Le produit respire, mais il y a tout le temps de la condensation qui se forme là, quand il fait très, très froid. Donc, c'est peut-être bon de laisser peut-être une petite ouverture pour laisser sortir la condensation. Sans ça, la bavette va se charger de récupérer tout l'eau récupérée lors de votre respiration durant la nuit. Je vous montre comment l'attacher avec sur le ridgeline avec un nœud plus sec qui appelle. Alors pour le nœud plus sec qu'on appelle, plus sec, je vais vous l'indiquer à l'écran, on fait dans le fond ni plus ni moins une loupe. C'est toujours important que pour ce nœud-là, qu'il soit efficace, que la corde du nœud soit de plus petit diamètre que la corde dans laquelle on l'attache, donc le ridgeline ici. Donc moi j'aime bien faire, on peut faire 1, 2, 3. Mais je me limite à 3 tours, c'est amplement solide. Après on prend ce bout-là ici et on le passe dans la loupe. On tire, on égalise. Et le but du nœud pré-sec, mais c'est justement qu'il soit amovible sur la corde. Donc, comme ça, il n'y a pas de danger, ça ne glisse pas. Ça glisse très bien comme ça et ça bloque. C'est un nœud qui bloque sur une plus grosse corde que le nœud. Donc, ensuite de ça, j'attache mon nœud pré-sec sur ma bavette. Et donc là, je peux glisser aisément ma bavette. Bien entendu, je l'attache après un bungee cord, une corde bungee. Donc, ça marche très bien. Je suis très, très, très satisfait de cette bavette-là. Merci, Shug. Donc, présentement, à l'intérieur du Travel Socks, j'ai installé la bavette. Donc, c'est ça que ça ressemble un peu là, à l'intérieur. Ça se trouve être à couvrir une partie de votre top quilt et récupérer la condensation, l'ogive et la glace. Pour pallier le manque d'isolation au niveau de la tête, de la nuque et du cou quand on dort dans les hamacs, c'est de bien entendu se mettre l'isolation. Donc moi j'amène tout le temps un bof de Merino. Bof de Merino qui peut être pratique pour couvrir jusqu'à la bouche et même plus au cou même. C'est pratique en tout temps de saison.
J'aime beaucoup le Buff Merino. Après, je m'étais procuré une genre de tuque en feutre chez Walmart ou un endroit où c'était vraiment pas cher. Je pense que j'ai payé ça 3 ou 4 $. Ça couvre, c'est un cache-montagne dans le fond, ça couvre à peu près toute la tête, le cou et même une partie du visage. C'est très chaud. Ensuite, vraiment pour les nuits plus fraîches, l'hiver quand il fait très 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 froid, alors je m'équipe d'un casse-cou genre montagne de skidoo. Ensuite, j'enfile un autre coup montagne. On peut remplacer cet item-là par une tuque. Et après ça, j'enfile la pièce de résistance. C'est vraiment un équipement qui est fait spécifiquement pour le hamac. C'est un lightweight equipment qui prend ça. Alors il s'attache avec des snaps ici, si je peux trouver. Avec ça, je suis bon jusqu'à moins 40, moins 50 à peu près. Donc, ça fait le tour du linge, de l'équipement porté pour le cou, la tête et la nuque.